Bonsoir, messieurs, dames, à travers le monde entier, je me présente. Je m'appelle Kadour Lahadi, dit Mouloud. J'ai un surnom, Mouloud, c'est-à-dire ma famille, mes enfants, mes voisins, ils m'appellent Mouloud. Même au travail, ils m'appellent Mouloud. Je suis un Algérien né à Alger. En 1969, 12-3-1969. Je suis un peintre autodidacte. J'ai débrouillé pas mal. J'ai fait des recherches, j'ai acheté des bouquins de dessins. J'ai lu pas mal de dessins. J'ai connu pas mal de grands maîtres de la peinture à travers le monde. Et messieurs, dames, ce soir, on est le 19 mars, 22h30. Je vais vous présenter mes quelques œuvres. Et ça me fait très plaisir. Je n'ai jamais montré ces œuvres dans des expos, dans rien du tout. Je vais vous le montrer au public. Et ça me fait un grand plaisir, énormément de plaisir. Messieurs, dames, je vous présente mes tableaux. Allez-y. Celle-là, c'est une nature morte. Elle est faite en 2001, signée Mouloud. Voilà. Et c'est un carton en toile. C'est un carton en toile. Produit par Lefranc et Bourgeois. Voilà. C'est une marque française. En principe, elle est connue, cette marque. C'est une marque reconnue. Voilà. C'est un carton en toile. Et la peinture, elle est faite à base de la gouache. C'est de la peinture à l'eau. Voilà. C'est de la nature morte. Voilà. Et moi, quand je dessine, je fais mes œuvres, je dessine, j'aime pas recopier les peintres. C'est-à-dire, j'ai jamais recopié. Je travaille de ma tête directement sur la toile. Voilà, messieurs, dames. Je vais encore passer un peu. Voilà, c'est mes illusions. J'imagine et je dessine. Voilà, les rochers, les palmiers. Je vais vous rapprocher encore plus le palmier. Voilà, pour vous voyez mieux. Voilà. Et toujours c'est de la gouache, c'est de la peinture à l'eau. Hein. J'ai pas utilisé beaucoup de à l'huile. À l'huile, ça sera pour le futur, Inch'Allah. Voilà. Je vais vous montrer celle-ci. Je vais rapprocher un peu. Toujours c'est de la gouache, c'est de la peinture à l'eau. Ni vernis fixe, ni vernis mat, ni rien du tout. C'est de la nature, c'est des couleurs fraîches. Naturellement. Il n'y a pas de brillance. Si vous remarquez, il n'y a pas de brillance. Voilà. Encore une autre. Ça, c'est un clair de lune. C'est un clair de lune, vous voyez, la lune, la nuit, puis de forêt, voilà. J'ai pas le matériel pour ne pas bouger, désolé. Mais s'il y aura d'autres vidéos la prochaine fois, je vais acheter du matériel professionnel, peut-être, Inch'Allah. Encore celle-ci, voilà, les amoureux, heureux mariage. Voilà, je vais rapprocher encore plus au couple. Voilà, voilà, heureux mariage. Ça, c'est, j'utilise la technologie de l'écriture gothique. C'est une antiquité mode de l'écriture. C'est l'alphabet gothique. C'est très bien écrit. C'est mon expérience, j'ai vécu beaucoup d'expériences. J'ai travaillé beaucoup dans les trottoirs, dans les complexes... pendant la saison estivale, à Sidi-Firouche par exemple, en 94, 95, 96, 97. Voilà, toujours c'est de la peinture à l'eau sur le papier canson. Voilà, toujours c'est de la peinture à l'eau. Je vais vous rapprocher un peu pour voir mieux les œuvres. Voilà. Je bouge, hein, malheureusement, je bouge, mais c'est comme ça. Encore une autre,
coucher de soleil. Oh zut, je bouge. J'essaie de faire mon mieux pour ne pas bouger. Voilà, messieurs, dames. Voilà. C'est un coucher de soleil à la peinture à l'eau. Alors, et celle-ci aussi. Ça, c'est asiatique. Ça, c'est algérien. Ça, c'est l'amirauté algérien. Ça, c'est pas mon œuvre. Je l'ai acheté comme ça. Voilà. C'est ancien l'amirauté algérien. Ça, ce tableau, je l'ai acheté assez différuche. C'est en genre de silhouette. Voilà. Ah, il y a la lumière qui me gêne. Voilà. Très bien. Voilà. Ça, c'est l'amirauté. C'est ancien port d'Alger. Des années 1830, en 10 ans. Ouais, les années 1830. Alors, en continuant avec mes œuvres, je vais vous montrer celle-ci. Voilà. Toujours les palmiers, la mer. J'aime beaucoup la nature et j'aime pas du tout, je dis bien que j'aime pas du tout la pollution. Parce que la pollution, ça va détruire l'avenir de mes enfants. Mes enfants, mes familles, mes voisins, tout le monde entier. Ça va détruire le monde entier, la pollution. Je suis contre la pollution. C'est pour ça que je m'engage à dessiner que de la nature. Pour révéler un peu les esprits des gens qui font de la pollution. Voilà. Voilà. Alors, il reste encore quelques œuvres. Je vais vous le montrer. Le voilà, celle-ci. Genre arabesque. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et à l'intérieur, il y a une ayah au Coran qui s'appelle Ayat al-Kursi. Tahfadna ou tahfadkum, Inch'Allah. Celle-là, c'est une... Je voulais un peu utiliser la technique de Van Gogh. Mais je vous dis que je suis loin. Hein. Je suis très très loin. Hein. Ça, c'est une technique qu'on utilise avec du pinceau, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de glisser le pinceau, que de tamponner. Voilà cette technique, ce que ça a donné. C'est-à-dire, c'est comme le tampon. On pose, on relève, on le pose, on relève, sans balayer le pinceau. Et voilà les résultats de ce genre de dessin. Genre impressionnisme. Voilà. Je vais vous montrer encore cette nature morte. Tout ça, c'est mes œuvres, c'est ma propre idée. Je n'ai jamais recopié un tableau. Je suis contre de recopier. J'aime créer moi-même mes œuvres. C'est ça le charme et c'est ça mon plaisir. Je n'ai jamais recopié un tableau. Et je travaille de ma tête. Je n'ai jamais posé un objet et je dessine ces objets-là. Je travaille de ma tête. J'imagine, je vois beaucoup de la nature, j'imagine et je dessine. Excusez-moi, messieurs, dames, mais là, je suis en train de transpirer parce que je parle trop. Voilà. Un peu de silence. OK. Voilà. Encore celle-ci. Hein? Toujours c'est de la peinture à l'eau. Encore celle-ci. Voilà, arabesque, une rose. Ça, c'est ma création aussi. Je l'ai imaginé. J'ai utilisé un dessin à l'encre de Chine. Ce genre de dessin, il est fait à base de stylo Rotring allemand, Germanie. C'est à base de l'encre de Chine. Et celle-ci, c'est un genre de extraterrestre. Voilà, c'est les Mouloud en 2003. Un cœur en forme, une tête d'un extraterrestre. Voilà, messieurs, dames. Et celle-ci. Et celle-ci aussi. Voilà. Ça, c'est travailler avec des règles et des couleurs de gouache. C'est de la peinture à l'eau, toujours. Cette rose, je crois que je l'ai montré déjà, parce qu'il y en a plusieurs. C'est celle-ci, celle-là. Là, voilà une autre. Voilà. C'est toujours de la peinture à l'eau.
Voilà, c'est signé Mouloud en Alger 2011. Voilà. Alger 2011, Mouloud. C'est écrit en arabe, Mouloud, et en français en lettres gothiques. Voilà. Et ça aussi, c'est ma création. Voilà. Je vais vous le montrer. Je vais essayer de vous le montrer mieux. Voilà. C'est un cœur en forme un couple qui présente love, qui présente l'amour, quoi. Ça, c'est ma création. Je n'ai jamais vu ce genre de type dans le monde entier, dans mes livres. Ça, c'est ma création et ma propre idée. C'est fait en 2009, le 3. Ah, pardon. De 9-3-2009. Voilà, c'est travaillé à base de crayon. Et le voilà un autre arabesque. Ouf, j'ai mal au dos. Désolé, messieurs, dames. J'ai 46 ans. Voilà. Je commence à vieillir. Ben, je sais pas, peut-être je suis un peu crispé. Peut-être je suis timide. Oui, timide, pourquoi pas? Je dis je suis timide parce que quand je transpire beaucoup, c'est un symptôme de timidité. Oui, 46 ans, je suis encore timide. Parce que je suis conscient que c'est le monde entier qui va voir ces images. Il y a de quoi, hein, messieurs, dames? On continue, il reste deux. Voilà. Voilà. J'essaie de rapprocher parce qu'il y a une écriture. C'est du Coran, toujours être le Kursi, dans le Coran. Un Karim, être le Kursi, complet. Et celle-là aussi. Voilà, les rochers. Ah, il y a le vert qui va tremper le. Il y a la housse verte. Je vais essayer de la déplacer comme ça pour ne pas tricher. Je vais essayer de la déplacer. Voilà. Là, vous voyez mieux. Voilà. Ça, c'est pas recopié, messieurs. Je vous le jure que c'est pas recopié. Je travaille de ma tête. Je suis un autodidacte algérien. Et ça me fait très plaisir de me découvrir à travers le monde un Algérien de ce qu'il est capable de faire, tout simplement. Voilà, messieurs, dames. Et voilà. Voilà, je vais vous montrer le salon que j'habite. Un petit. Voilà. Ça, c'est le salon dans un appartement que j'ai hôpitalisé d'une Chiraga. Voilà, vous pouvez le voir. Voilà, il y a une petite bibliothèque, il y a une petite télévision. Il y a certaines garnitures en céramique. Et voilà. Ah, la montre, elle vous trompe, hein. La montre, elle s'est arrêtée. Ça fait un bon moment, je ne l'ai pas changée. L'heure actuelle, il devrait avoir 23 heures. Et là, c'est 23h30. Elle ne marche pas, cette montre. Voilà. Voilà, messieurs, dames. Voilà. Je ne vais pas tarder pour vous. Voilà, c'est juste une présentation de Kadour El Hadi, ou dit sur mon compte à Google, El Hadi Kadour. Voilà, je me présente. Je suis un artiste. Je suis un peintre autodidacte algérien. Et ça m'a fait énormément de plaisir de partager mes œuvres avec vous. Et je vais publier cette vidéo au YouTube pour mieux connaître Kadour El Hadi et les Algériens en général. Merci beaucoup, messieurs dames. À la prochaine. Je vous promets qu'il y aura d'autres vidéos, Inch'Allah. Au revoir, messieurs dames. À la prochaine.